Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 13h très largement consacrée à l'attaque perpétrée hier dans une église. Convictions confondues, restons unis, est-il écrit ici. J'ai écrit comme j'étais sincèrement peinée pour la victime. Que la religion musulmane ne prenne pas ce genre de comportement. On ne s'attaque pas à un prêtre, on ne s'attaque pas à l'église, c'est tout. C'est des lieux sacrés ça. Je suis rouennaise d'origine et c'est l'endroit où j'avais besoin de me ressourcer, de me sentir vraiment chez moi, quoi. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai tremblé parce que ma fille porte un prénom catholique. C'est pas normal. C'est pas seulement les religions qui sont touchées, c'est un petit peu notre vivre ensemble en France, en fait. Je pense que c'est en réagissant en communauté ensemble, en tant que Français, mais également en tant que chrétien, que justement on répondra à tout ça. Toute la journée, les messes et les rassemblements vont se poursuivre. Quelques prières, quelques instants de recueillement pour ne pas oublier. Le travail des enquêteurs maintenant. L'identité d'un des deux assaillants est toujours en cours de vérification. En revanche, l'autre meurtrier était déjà fiché par les services antiterroristes. Placé sous contrôle judiciaire, il était notoirement connu pour des faits de radicalisation. Sophie Rodier avec Nicolas Auer. Sur cette vidéo filmée par un voisin, l'intervention de la BRI vient de débuter. Les policiers progressent lentement. Ils cherchent à entrer dans l'église. Les policiers ont tenté une incursion, mais n'ont pu pénétrer dans l'église, car trois otages se trouvaient en position de rideau devant la porte. Quelques minutes plus tard, à l'arrière de l'église, les policiers vont se retrouver face à face avec les preneurs d'otages. Ça a tiré. Il y a quelqu'un qui a crié à la Wakba dans l'église, oui. Les terroristes viennent d'être abattus à l'arrière de l'église. L'un d'eux a été trouvé porteur, sur le ventre, d'un faux engin explosif en papier aluminium et de trois couteaux. L'autre, qui tenait dans la main un minuteur de cuisine, entouré de papier aluminium, était en outre trouvé porteur d'un sac à dos à l'intérieur duquel a été découvert un faux engin explosif. Les otages sont évacués par la police. Les enquêteurs, eux, ont rapidement identifié l'un des terroristes. Il s'appelle Adel Kermiche, 19 ans. Il a été fiché S, il est sorti de prison il y a 4 mois. Et depuis, il était assigné à résidence chez ses parents. Un jeune radicalisé et qui ne le cachait pas. Ils disaient ouais, qu'il faut aller là-bas, aller se battre pour nos frères, etc. Nous, on disait que c'était pas bien. Il a dit que la France, c'était une terre des mécréants, faut pas vivre ici, etc. Voilà, quand ils essayaient de nous endoctriner, quoi. Mais nous, on s'en foutait de ce qu'ils disaient, on le prenait pas au sérieux. On lui disait, faut que t'arrêtes tes conneries, des trucs comme ça, quoi. Ces individus, dès lors qu'ils sont connus des services de police, par les services de renseignement, dès lors où ils sont fichés S, mis en examen, pour association de malfaiteurs liés, par exemple, hein, en lien avec une entreprise terroriste, ces individus n'ont rien à faire dehors. Je disais ce matin à l'Élysée, autour de François Hollande, avec les représentants religieux, musulmans, juifs, catholiques, bouddhistes, orthodoxes et protestants, ont défendu leur unité face au terrorisme.
les relations particulièrement harmonieuses qui existent entre nos différentes religions en France constituent une ressource importante pour la cohésion de notre société. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous laisser entraîner dans le jeu politique de Daesh qui veut dresser les uns contre les autres les enfants d'une même famille. Cette réflexion, nous la menons depuis de nombreuses années déjà, mais nous devons maintenant avancer encore dans la rencontre, le dialogue, de sorte que l'unité soit la condition de la victoire contre Daesh. Daesh désire jouer avec la démocratie et la vaincre, et Daesh perdra. Même discours pour le représentant de l'islam en France, qui demande aussi une surveillance accrue de tous les lieux de culte. Nous avons simplement souhaité que les uns et les autres, nos lieux de culte, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, soient l'objet d'une plus grande attention, d'une attention soutenue, puisque le plus humble des lieux de culte est aussi l'objet d'une agression. Il existe en France plus de 50 000 lieux de culte, toutes religions confondues. À la sortie du Conseil des ministres ce matin, Bernard Cazeneuve rejette ce principe qu'il juge contraire aux principes fondamentaux de la République. Tout ce qui doit être fait dans le cadre républicain et de l'état de droit doit être fait et nous le faisons et nous pouvons encore améliorer. On est arrivé à la gendarmerie, j'ai dit avant qu'on aille là-bas, on va à la gendarmerie, on est de personne. On est rentré, on est venu à la gendarmerie, on a sonné. J'ai dit, c'est Madame Traoré, je voulais savoir si mon fils il est chez vous. Et le monsieur il m'a dit, attendez, je vais voir. Il est parti après, il est venu, il m'a dit, oui, il est chez nous. Donc, après, j'ai dit, ben, est-ce que vous avez contacté son avocat? Oui, on a contacté tout le monde. S'il a demandé, on a contacté. Après, c'était quelle heure ça, madame? C'était vers 20h30, comme ça. Donc, j'ai dit, bon, on va à l'hôpital pour voir. On est parti à l'hôpital. Samba, il a dit, non, Adama n'est pas là-bas. J'ai dit, mais ils ont dit qu'il est à la gendarmerie. Mais si vous avez dit qu'il a fait des crises cardiaques, ils ne vont pas le garder là-bas quand même. J'ai dit, peut-être qu'il est à l'hôpital. Samba, il a dit, moi, j'ai téléphoné les pompiers. Ils m'ont transféré tout de suite à la gendarmerie. Donc, on sait qu'il est à la gendarmerie. Moi, je suis retourné encore avec Yacouba. On est parti. J'ai sonné encore. Oui, madame, il est 21h, nous, on ne répond pas. J'ai dit, mais attends, mon fils, il est chez vous. Il a piqué une crise cardiaque, vous ne l'amène pas à l'hôpital. Vous le gardez comme ça jusqu'à il va mourir. J'ai dit, je vous dis quelque chose, si mon fils il meurt, moi, je porterai plainte. Après, ils m'ont appelé, que madame, vous venez. Ils ont ouvert la grande porte. Ils ont dit, il y a une dame qui m'a pris. Après, l'autre qui a, et le monsieur qui a pris Yacouba. Il a dit, si Yacouba, il réagit pas mal. Yacouba, il a dit, non, je ne réagis pas. Tout de suite, il a dit, Yacouba, il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, il est mort. C'est là que j'ai entendu. Yacouba, il a pris le gendarme. Il a dit, mon fils, mon frère, il est mort, mon frère, il est mort. Donc, tous les gendarmes, ils sont venus, ils sont sautés sur Yacouba, il nous a gazés. Donc, c'est là que tous les jeunes sont rentrés maintenant pour qu'ils puissent laisser Yacouba. Après, on est sorti. Donc, je suis sorti avec Yacouba, avec les jeunes. Après, moi, j'ai dit, je vais voir mon fils. Comme mon fils, il est mort, il est chez vous, je vais voir mon fils. Après, ils m'ont dit, ouais, si vous êtes tout seul, on va vous laisser. Après, ils m'ont fait rentrer. J'ai une copine, elle est rentrée avec moi. Quand on est rentré maintenant, après, il me dit, madame, votre fils, on n'était pas parti pour chercher Adama. On sait où Adama il habite. Adama il habite à Champagne-sur-Oise, 7 rue du Bâtesson. Bagui, il habite à Bougnanval. Oui, 14 rue Bougnanval. Bagui, il habite là-bas. On était parti chercher Bagui et sa femme. C'est une histoire qui est datée. Donc, on était parti. Donc, Adama, il était là. Adama, il nous a vus, il a fui. Donc, on l'a poursuivi.
on l'a pris. Tout de suite, après, il était là, dans le calme, après, il a fui encore. On l'a interpellé. Tout de suite, on l'a mis dans le camion. Il a piqué une crise. Donc, on a fait des prises de sang. On a trouvé qu'il avait des stupéfiants dans le sang. Et il avait bu avec la chaleur, là. Donc, c'est ça qui a provoqué. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mon fils, en tout cas, moi, je ne savais pas s'il est ça. On est sorti. Il faut calmer les jeunes. Ma copine, elle est sortie. Moi, j'ai dit, je ne peux pas sortir. Je veux voir mon fils. Donc, ils ont appelé le médecin. Le médecin, il est venu. Il m'a dit... Voilà, elle m'a dit, Madame Traoré, vous ne pouvez pas voir votre fils. Parce qu'il saigne de nez, il saigne de la bouche. J'ai dit, mais si mon fils il a piqué une crise cardiaque, il ne va pas saigner de nez et de bouche. Ah, madame, vous ne pouvez pas. Donc moi, je me suis mis par terre. La dame même, elle a commencé à pleurer avec moi. Après, on m'a pris, on est sorti. Forcément, votre fils. Je ne peux pas faire mon deuil tant que je n'ai pas vu mon fils. Là, je suis là. Je suis là, je ne sais pas qu'est-ce que je prends, je ne sais pas qu'est-ce que je laisse. Ouais. Adama, il était pour tout. Il était tout pour moi. Adama, il était tout pour moi. Adama, il ne peut même pas me regarder dans l'œil. Dans les yeux. Il ne peut même pas me regarder. Mm. Quand moi, je suis au salon, Adama, il est dans sa chambre. Tout ce que je lui demande, il est prêt à me le faire. Adama, même si j'ai envie de chercher quelque chose, tant qu'Adama n'a pas trouvé pour me donner, il n'est pas tranquille. J'ai montré à Dieu. C'est Dieu qui m'a donné, c'est lui qui l'a pris. Mais ce n'est pas lui qui l'a pris, c'est les gendarmes qui ont tué mon fils. C'est eux qui ont tué mon fils. Adama n'est pas cardiaque. Non, je suis désolée. Mais abandonner la République et les principes de l'état de droit pour essayer de sauver nos valeurs serait une manière de consécration, dans la démagogie d'ailleurs, de ce que les terroristes souhaitent atteindre comme objectif. Ce cadre posé, le gouvernement n'exclut pas des évolutions des lois, quitte à reprendre des propositions de l'opposition. Et l'opposition ne retient pas ses coups. Dans le journal Le Monde, à paraître cet après-midi, Nicolas Sarkozy avance de nouveau l'idée de camps de rétention pour les suspects fichés S. Il faut, dit-il, une évolution intellectuelle. Il y a, dans cette guerre que nous engageons, des innocents, des coupables et une zone grise avec ceux qui ne sont pas encore passés à l'acte. Et lorsque cette question est posée au Front National, Marion Maréchal-Le Pen renvoie dos à dos, droite et gauche. Est-ce que vous êtes favorable à un Guantanamo à la française, qui est une idée notamment de Georges Fenech, des Républicains? Oui, les Républicains ont toujours beaucoup d'idées quand ils sont dans l'opposition, c'est assez amusant. Lorsqu'ils sont aux affaires, ils ont plutôt tendance à supprimer des postes de policiers, de militaires, supprimer la double peine. Toute cette situation est le choix de responsabilité, de mesures politiques précises, prises à la fois par Nicolas Sarkozy, mais même avant lui, et François Hollande. Et que donc ces gens-là, maintenant, ils doivent faire un bilan et en tirer les conséquences. Dans le reste de l'actualité, la grève des stewards et des hôtesses chez Air France. Chaque jour, 140 000 passagers empruntent les avions de la compagnie à cette période de l'année. Les syndicats ont annoncé une forte participation. Pourtant, à l'arrivée, les conséquences sur le trafic semblent plutôt limitées. Magali Boissin avec Anne-Claire Le San. En plein chassé croisé des vacances, situation plutôt calme à l'aéroport d'Orly ce matin. Pour ce premier jour de grève, 13% des vols Air France sont annulés. Inadmissible pour certains passagers. C'est dégueulasse. Le fait de faire grève à cette période. Pour ceux qui ont des réservations, etc., je trouve que c'est un petit peu dommage. Voilà. Après, c'est pas une façon de faire, je trouve. Mais beaucoup ont pu s'organiser et sont plus philosophes. Je comprends à peu près tous les mouvements de grève parce que je trouve qu'ils ont sûrement des choses à réclamer. C'est tout, quoi.
Situation plus difficile à l'aéroport de Marseille, avec 30% de vols annulés. Et des voyageurs qui doivent changer leur plan à la dernière minute. J'ai appelé la compagnie, personne n'avait averti. J'ai demandé de passer sur un autre vol et qui est sur liste d'attente, donc c'était pas possible. Voilà. Donc du coup, je prends le TGV pour Paris. Pour défendre leurs conditions de travail, les hôtesses et stewards d'Air France ont prévu de faire grève jusqu'au 2 août. Le PDG condamne un mouvement social en plein été. Je suis tout à fait attristé par cette grève que je trouve regrettable. Elle prend en otage nos clients à un moment de l'année particulièrement important pour eux, celui des vacances familiales. Eh bien, premier conseil, si possible, repoussez votre voyage. C'est le plus simple pour ne pas avoir à subir la grève. Pour ça, Air France promet de changer gratuitement vos billets si vous décalez vos dates après la grève, soit entre le 3 et le 12 août. En bref, le Français Michel Barnier vient d'être désigné pour conduire les négociations en vue de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il a été nommé par Jean-Claude Juncker, le président de la Commission. Michel Barnier est un familier des institutions européennes. L'actualité à l'étranger maintenant. Hillary Clinton a été officiellement adoubée pour la présidentielle par les démocrates hier à Philadelphie. Une soirée d'investiture dans un climat d'unité retrouvée. Stéphanie Pérez. Des femmes en pleurs, une salle surchauffée. Ça y est, Philadelphie a officiellement investi Hillary Clinton. Lorsque la candidate démocrate apparaît dans une mise en scène parfaitement étudiée, elle est ovationnée. Hello, Philadelphia. Si des petites filles sont restées debout ce soir pour regarder, je voudrais leur dire que je deviendrai peut-être la première femme présidente, mais que l'une d'entre vous sera la prochaine. Hillary Clinton sera donc la première femme à briguer la Maison Blanche. Pour célébrer l'événement, les célébrités ont fait le déplacement. En tête, l'actrice Meryl Streep. Elle sera une grande présidente. Mais son premier soutien, c'est bien sûr Bill Clinton, son mari et ancien président. Pendant 45 minutes, le voici qui raconte à la salle, comme devant de vieux amis, la vie d'épouse engagée de la candidate. Elle est le meilleur agent du changement que j'ai jamais rencontré. Choisissez n'importe quel problème, mettez Hillary sur l'affaire et revenez un mois après, et elle aura trouvé le moyen pour que les choses aillent mieux. Voilà qui elle est. Hillary Clinton, la candidate d'une Amérique qui change, d'une Amérique pleine d'espoir, le contraire de Donald Trump, c'est ce portrait que viendra à son tour défendre le président Barack Obama ce soir à Philadelphie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo avec Anaïs Baïdamir à 20h. Vous retrouverez Julien Bugier. Quant à moi, je vous dis à demain, 13h. Bonne journée sur France Télévisions. Ils veulent dominer le monde, mais ils ne domineront pas le monde. Et puis, ils ont de la haine contre nous. Nous on en a, moi, j'en ai pas personnellement contre eux. Simplement, je n'ai pas un esprit de vengeance. Je n'irai pas faire du mal.
اللهم برحمتك ارحم عبادك المجاهدين في سبيلك. عبد الكريم عبد الكريم عبد الكريم عبد الكريم عبد الجامع عبد الجامع بالكلية. يا جماعة صوتوا يا معلم لي بالكلية طيبة الطلاب. بس الوجع بس خلصنا من الوجع ما في شيء.